Bonjour à toutes et à tous. Voici donc la présentation de notre vitrine principale dans sa version automnale. Vous pouvez ici voir l'étage supérieur avec tout ce qui va être bijoux pendants, que ce soit pour des lobes élargis ou non. Vous pouvez retrouver de nombreux designs tels les dents de mégalodon, des minéraux divers, des designs découpés ou des métaux mélangés. Donc on repasse sur la vitrine, vous pouvez revoir justement aussi des plaques ici en laiton, cuivre et argent. Donc là, les principaux matériaux utilisés. Ensuite, on passe à l'étage de l'or massif, avec ici quelques bijoux pendants, et des designs plus petits, des extrémités pour divers piercings, des anneaux, des sim rings, donc les CBR classiques avec la bille, des designs plus ou moins travaillés, avec des gemmes véritables ou des gemmes synthétiques style oxyde de zirconium. Ensuite, on peut retrouver ici des bijoux pour les oreilles standards avec fermoir papillon, des barres d'arcade, divers accessoires en certiclo par exemple, de toutes les couleurs de chez Neometal, des petites billes anodisées, des cabochons, des bijoux pour la narine à plier. Ensuite, un grand nombre de designs différents pour aussi bien les lobes que les industriels, que des piercings en grand diamètre, lobes élargis, un nuancier avec des barres de langue, divers accessoires style fleurs, des bisertis, des cabochons, etc. Donc ici, hop, je me téléporte à l'extérieur pour vous montrer la vitrine de l'autre côté, le côté hors de la boutique. Donc ici, de nouveau des boucles d'oreilles pendantes, vous pouvez voir l'autre côté, ainsi que des designs en verre aussi, assez travaillés, tels que les lagrimas, des gouttes un peu opalescentes. Ici, vous trouvez l'intégralité de notre gamme Body Vision Los Angeles, BVLA, avec des cliqueurs, bijoux de nombril, des accessoires certis ou non, et pas mal d'anneaux. De l'autre côté de la vitrine non métal avec les griffés, vous retrouvez aussi des gros poids Gorilla Glass par exemple, ou des poids pour les lobes en plaqué or, des cabochons non métal toujours, et ensuite tout plein d'accessoires vissables, donc des pointes, des cabochons, des accessoires sertis, des assemblages, des cliqueurs pour le nez, vraiment tout type de bijoux. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine vidéo.